Kolo akokanya kufungula yo mayele. Le Seigneur puisse te parler. Kolo alobela yo. Le Seigneur puisse te fortifier. Kolo akokanya kopesa makasi. Le Seigneur puisse être avec toi. Kolo akokanya kozala elongo na yo. Le Seigneur puisse expier et sanctifier ta vie. Kolo akokanya kolobola isumu na ope apetu la bomo na yo. Qu'il te donne l'oreille comme ses disciples. Apesa ekoka na oyekoli. Rien au nom de Jésus Christ. Sobondeli na kombo na Yesu Kristo. Recommandez aussi l'instrument que ce soir vous donnez mon Seigneur. Kikape esalelo na kombo na lelo na se na lobomo na Nzambe. On reconnaît la postérité d'Abraham en celui qui garde la
parole qui est la voix de Dieu. Comme toi tu gardes la parole, tu vis la droiture et la justice de Dieu. Tu es un enfant d'Abraham. Et le Seigneur te viendra en aide. Que les combats soient courts ou longs. Et le Seigneur te donnera la victoire. Il avait dit que la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Amen. C'est-à-dire dans les combats, ils envahiront toujours des villes. Ils ne perdront jamais. Et c'est ce que nous sommes. La postérité d'Abraham, le fils de la promesse. Amen. Amen. Il faut toujours te redire. Et Seigneur, comme on vient de le chanter ici. Non, jamais tout seul. En chantant, il l'aube matinière, mais lui, comme aujourd'hui. Hein? Quand le soir vient, la nuit entre. Mais la lumière ne sort que le matin pour un temps. Et que tombe en attente La nuit, ça entre, les ténèbres nous envahissent encore. On dit Jésus-Christ qui est ma lumière, Jésus-Christ, m'éclaire toujours. Ça veut dire même si je marche dans les ténèbres, frère. Je ne craindrai rien. Parce que Jésus-Christ qui est ma lumière. Jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom de
Jésus-Christ. À cause de cela même, faites tout par la vertu. À la vertu, la science. À la patience, la paix. Je dis à la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Nous prenons Jacques chapitre 1, le verset 20. Le verset 19 à 20. Ah, ton ami dit que nous avons la zone de la joie qui nous tourne d'aller. Je dis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sachez-le. Oui, bah, oui. Mes frères. Avec il n'y a pas de micro pour lui. Non. Sachez-le. Mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Non, soit prompt. Lent à parler. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. Et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Nous prenons l'écriture des Proverbes. Nous prenons Proverbes chapitre 25. Verset 8 toujours. Quand on va le voir, on est à moi. Ne
condamne ce que tu as vu. Okende na koloba na lombango te na bazuzi na makambo oyo olekoki na komona. Si ton adversaire prouve que tu as tort, ce qui monguna na yo atalisi ete yo te ozali na mbeba, qu'est-ce que tu feras ensuite? Sikoyo yo kozala nini na sima na yango? Que le Seigneur Jésus-Christ a béni ses écritures. Dika polo Jésus-Christ akambola atangi oyo. Depuis ton enfance, au moins
les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Les saintes lettres qui peuvent te rendre toi sage. Oye, koti na koko misayo, oko ma koto na boanya. A salut. Pe lobiko. Donc, tu deviens sage pour le salut. Oko mi na boanya po na lobiko. Donc, tu n'es pas sage pour tout le monde. Ozali boanya te loko la batignan. Parce que si tu es sage juriste, et les autres, nous allons nous donner un moyen pour servir ce matin. Tu es sage pour les membres, frère. Aux amis, moyen pas à point à mon kiri. Si tu es sage ingénieur, ceux qui nous allons nous donner un moyen ingénieur, tu es sage pour les membres. Aux amis, moyen pas à point à battre mon kiri. Tu vas aider dans les choses des électricités. Au Bosunga, la maman est allée au Tiliki. Tu vas aider dans les constructions des ponts, des maisons. Vous allez faire avancer le pays dans la justice pour tous. Mais ce ne sera pas la sagesse pour le salut. Mais il y a une sagesse. Jésus-Christ. Il leur dit, Moïse a dit à Bambo, prenez à cœur
enfants. Et que Boleka n'a pas fait sa mona bana na bino. Afin qu'ils observent. Et mettent en pratique toutes les paroles de nécessité. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Après avoir passé le Jourdain, ici Moïse avant de mourir, il exhorte aux enfants d'Israël. Les lois que je vous ai données, les ordonnances que je vous ai enseignées, ce ne sont pas des choses sans importance pour vous. C'est votre vie. Amen. C'était leur vie. C'est pourquoi, lorsqu'ils rejetaient la parole, comme c'était la parole qui était leur vie, et même la pluie cessait de tomber. La pluie cesse de tomber en Israël. Il y a la famine. Il y a la mort. Il y a des maladies. Il y a même la déportation. Si ils négligent la parole, parce que tout pour eux, c'était les lois et les ordonnances qu'on leur avait données. C'est pourquoi Moïse leur les conjure. Il dit, c'est votre vie. Il dit, mettez ça en pratique. Il ne faut pas être étonné, frère. Quand un frère, il prend toute la journée pour lire la Bible. Il prend toute la journée pour écouter les enseignements. Parce que sa vie dépend de ces choses. Dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu.
C'est de te rendre aussi désintéressé. Tu n'écris pas. Tu n'enregistres pas. Tu ne partages pas. Donc toi tu viens seulement si tu écoutes, c'est fini et puis tu pars. Et même le frère. Non, il ne faut pas que nous ayons cette habitude-là. Tu te réveilles chaque matin. Ah, mais
programme sur la pesa. Parce que c'est toujours pour ton édification. Ces choses ici, comme Moïse lui-même avait dit, le quoi la Moïse vient de me dire, c'est votre vie. Et d'aller pour moi la bino. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Et d'aller ma cabo et la matina et pour la bino. Si pour les autres c'est sans importance. Ça c'est pas la bateau monsieur sur les matina. Mais pour vous les enfants d'Israël. Et cette cantique-là, c'est la prédication de la croix.
les choses conformes à la sainte doctrine. Ce sont des choses que toi tu dois connaître. Et écouter encore davantage. Ils sont être en abondance. Et la peine à confondre qui s'amène à affermis. Amen. Ah. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Aujourd'hui, on allait introduire sur la tempérance. Parce qu'on dit, ajouter à la science la tempérance. Et que Bakisa n'a pas n'a boyé puis on parle d'abord de qu'est-ce que c'est la tempérance. On appelle ça aussi la maîtrise de soi. Amen. Amen. Ah. Donc, ça vient du verbe en français tempérer. Modérer quelque chose. On dit, c'est aussi un œil. Parmi les yeux. Toi, tu dois avoir. Donc, si tu l'as, tu ne vas pas brancher aussi dans beaucoup de choses. Pourquoi? Ça va te permettre de voir. Parce qu'on dit c'est l'œil. Donc quand cette chose-là se manifeste dans ta vie, cela veut dire qu'il a un œil aussi a été ouvert. Pour que tu vois clairement les chemins. Amen. Ah. La tempérance. Je veux parler de cela. Comme on dit, c'est tempéré. Comme nous sommes presque à la fin, je vais bien parler de cela la fois prochaine. Donc, tempérance. La maîtrise de soi. C'est on parle de ça plus devant les problèmes. La tempérance, on l'utilise plus devant les problèmes. Parce que les problèmes ont aussi la tendance de nous faire pécher. Amen. Ah. Ici, lorsque nous prêchons, c'est pour que nous fassions un exercice. Que nous puissions rechercher ça dans nos vies. Ah. Parce qu'on dit la pression de la colère produit les querelles. Donc, pression. Ne sois pas impulsif.
malade. Remarquez bien. Tana peut-être malade. Ceux qui prennent trop de temps d'écouter. Baba va peut-être tango mingi ya koyoka. Ils réagissent bien. Et tu vas les rattraper la boson qui s'en a dit tango malade. Avec raison. Natina. Moi je connais un frère de notre église ici. Nana yebi de konabiso moko na église na biso ao. Quand il y a un problème, ceux qui va vous aller. Il est très calme. Adora kapena na kimia. Très calme. Kimia. Et puis quand il va se réagir, vous allez voir comme si vous tous là vous n'aviez pas raison. J'aime beaucoup ce frère là. J'ai déjà vu ça en lui. Il nous a aussi aidé dans beaucoup de problèmes. C'est pourquoi chaque dit que ton temps soit prompt à écouter. N'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu te mets facilement en colère, tu vas commettre beaucoup d'erreurs dans ta vie. Tu vas commettre beaucoup de péchés, frère. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on doit ajouter à la science la tempérance. C'est quelque chose vraiment qu'on doit chercher en abondance. Vous allez vous remarquer qu'il y a certaines choses qui étaient ajoutées et même d'autres, ce n'était pas même dans ce sens-là.
bongo te. Alors vous allez vous livrer à un exercice difficile de vous demander le pardon les uns les autres. C'est pourquoi Proverbe dit, il dit, ne te hâte pas d'entrer en contestation pour ce que tu as vu. Parce que c'est la personne là que tu as vu, contre qui tu as témoigné. Mais il connaît tous les linges sales qui étaient lavés avant.
avant. Si on te fait ça, donc si on te fait ça, toi le nouveau venu. On est en train de t'étouffer. Les rapports.
Paul avait mis à Tite. Paul a l'obagé dans Tite. Il dit, Alobi, éloigne-toi, éloigne de toi. Éloigne de toi une personne. D'une personne qui après un premier et second avertissement qui provoque des querelles. Oyo, ba kebisye balali boso pe ya mibale ye azobi misataka boswa. Vous remarquez que première fois, tu es toujours dans des querelles. Ok, balali boso, ya swana ka swana kaka. Il y a toujours des problèmes qui sortent ici en ton nom. Pe etan makambo oye bimakaka na na kombo na yo. Avec le moto, il y a le même essayé que l'ombre musica à battre. On ne va pas commencer à vivre dans l'église, vous allez voir des gens qui disent que moi je viens plus à l'église. Comment on a trouvé qu'on l'église, tu vas tout savoir le matin, on a croyé à l'église sur l'église. On parle toujours en mal de moi. Pour être basé au Baka, Canadenga, ma pépo, Natina Nangaï. J'ai écouté les choses sur moi. Nayokaki, Makamoko, Balbaki, pour Natina Nangaï. Exhorter ton pays des choses sur toi. Mais notre travail est aussi éradiquer ça. Mais au sein de la vie, à Kolombola, Kolombola, ma Béwana. Et aussi d'enseigner les gens d'être lents à la colère. Mais au Lagisabato, base à la pédale, bam, bam, ou t'es la Kosilika. Amen. Ah. Être lent à la colère. Aux Alambam ou t'es la Kosilika. Je connais l'histoire. Aïe, l'histoire, mon corps. Un frère de Komoga Mobad, on l'avait calomnié. Oh, ma tombe à qui est. On l'a calomnié, c'était vraiment comme des friandises, ça marchait. Ah, ma tombe à qui est. Tambola qui prenait à l'Ongola, Biloka Oteka. Et ce frère-là est allé dire à un autre frère. Ben de Kwana Mobad, il y a qui est sur le rang de Komusuya Mobad. Il a dit, regarde des choses qui marchent comme ça, mon nom. Tala, ma tambo, ils ont tambola pour la Komo Nangai. Et le frère-là était courageux aussi. Ben de Kwana Zara qui prenait à Nzuzu. Il a dit, nous allons. Convoquer une réunion après le culte. On va appeler les concernés. Je vous dis que c'était la prise définition. Et là, ça veut dire que tu as la définition. Je vous dis que c'était la prise définition. Et là, ça veut dire que tu as la prise définition. Tu as le seul moyen de délivrer les gens des esprits là. Et là, tu as le seul moyen de délivrer les gens des esprits là. Et là, tu as le seul moyen de délivrer les front de diamant, il a mis en exercice. Et de quoi la joie qui et diamant à l'intérieur. Bon, on avait dit ça, ça, ça. Allez, et toi, tu as dit ça, c'est lui qui avait dit ça, c'est lui. Et puis. Ah, toi, qui bouille, c'est toi qui avais dit ça, oui. Qui t'avait dit ça, lui. Et directement, comment ça s'est disputé. Même la mort, on va venir au soir. Monsieur, garde seulement les choses. Car ceux qui t'ont combattu, on va parler de la même spirituellement comme ça. On ne fait pas des grands sacrifices ici pour régresser. Mais lorsque nous venons ici, c'est pour devenir meilleur.